compte jusqu'à 5, tu fais le rond, tu lèves la tête et on repart. C'est bien, tu vois que tu y arrives, super. Comme des poissons dans l'eau, l'opération du secours populaire et des centres récréa souffle sa troisième bougie. Selon la Fédération française de natation, un enfant sur deux ne saurait pas nager à son entrée au collège. Des chiffres inadmissibles pour le secours populaire. C'est une catastrophe parce que si on ne sait pas nager et qu'on rentre dans l'eau, qu'on tombe dans l'eau, ben on peut se noyer. Il y a encore malheureusement beaucoup trop de cas de noyade en France. En 2012, l'Institut de veille sanitaire en a recensé 254, dont 47 ayant entraîné le décès d'enfants de moins de 13 ans. Le but de cette opération, initié par un apprentissage des bases de la natation, mais aussi et surtout par le jeu. Je crois bien que c'est peut-être l'une des premières fois qu'ils vont à la piscine, donc ça fait vraiment très plaisir de les avoir parmi nous. À la fin de la séance, ils étaient quand même assez contents parce qu'ils ont pu nous faire quand même quelques petits sauts, du plot. Et là, on leur a mis en petit moment libre où ils vont pouvoir aller jouer quelques minutes. Là, on a plein de choses. Là, on a du plaisir, on a la sécurité pour les gamins, on a l'impression de servir vraiment à quelque chose, encore une fois de plus. Vous savez, donc au secours populaire, l'idée, c'est que les gamins, ils soient en mouvement. Cette solidarité, elle n'est pas condescendante, elle n'est pas dans un sens. Nous, ce qu'on veut, c'est une solidarité active et ils vont tous démarrer avec leur niveau et ils auront tous progressé. J'ai appris à nager, j'ai appris le crawl, j'ai appris à nager sur le dos. J'ai un peu tout appris, quoi. En fait, j'ai bien aimé la piscine parce qu'on a, fait des petites longueurs et après, on a eu le temps de jouer alors que ça m'a beaucoup plu et surtout le toboggan. Ça fait un peu du bien de se retrouver entre copains au lieu de rester seul chez nous et tout ça. C'est de vraies vacances. Il y a une piscine, on va au centre, il y a plein d'activités. Un vrai stage, quoi.